Salut YouTube, ici Mikado et on se retrouve pour une nouvelle campagne sur la chaîne, celle de la Bretonnie, Louant, cœur de lion. La faction aux 1001 chevaux. La faction où, on va dire que l'infanterie laisse un peu beaucoup à désirer, mais... Voilà, est-ce qu'à un moment on fera un Doomstack de cavalerie quelque chose avec l'un d'eux? Je ne sais pas, on verra bien. Peut-être. Mais dans tous les cas, voilà, ça a été voté encore une fois du côté Twitch. Peut-être que d'ailleurs, à un moment, je devrais la faire voter, la campagne, sur YouTube. Hein, parce que je sais qu'il y a moyen, là, je jouais souvent des sondages sur YouTube. Peut-être que je pourrais la faire voter la prochaine sur YouTube. Dans ceux, bien sûr, que je propose, comme d'habitude. Alors, pour Louant, ce que je sais, parce que j'ai déjà tenté, je sais pas jusqu'où je suis allé, je m'en souviens plus, c'est trop loin. On va être en guerre contre Marienburg. Il va falloir qu'on trouve un moyen pour le choper très vite, le Margoulin. Derrière... Ah ouais, je possède pas Aiguille, moi. C'est Aiguille, je crois, hein, le nom ici, je sais pas. Pourquoi Marienburg? Parce que je sais qu'au départ, l'Empire aime bien qu'on tape dessus, mais après, il n'aime pas. Et nous, ce qu'on veut, c'est être en bon terme avec l'Empire. En très bon terme. Je sais pas si elle va être très difficile comme campagne. Je pense qu'en fait, l'aléatoire joue beaucoup. Mais si j'arrive à achever mes plans, en gros, je vais être allié avec tout ce qu'il y a autour de moi et je vais posséder concrètement la Bretonnie. Voilà. Effet de la faction, portée de déplacement de campagne de 10%, tous les personnages, taille de l'aura de commandement, plus 50 pour tous les seigneurs en attaque. Effet du seigneur loup, on commence avec tous les serments de chevalier déverrouillés, tant mieux. Chevalerie, plus 10, ce truc que l'IA ne respecte absolument pas avec eux, mais bon. Ouais, la chevalerie, c'est vraiment pour le joueur, hein. Pour l'IA, elle se gratte avec, elle se gratte sur tous les couilles. Attaque en mêlée plus 8 en combat contre les morts vivants, les peaux vertes et toutes les forces du chaos. Et bah ça tombe bien, c'est ce que je veux focus. En gros, je vais essayer d'être ami avec l'Empire et je vais essayer d'aller l'aider très vite contre les morts vivants. Et je voudrais essayer d'aider très vite les nains contre les peaux vertes. Et quand le chaos arrive, si j'ai survécu d'ici là et que j'ai réussi à accomplir ce que je veux, j'aurai pas mal d'armées pour taper dessus. Commandement plus 12 contre les mêmes forces. Et capacité passive, la bénédiction de la dame, je me souviens plus de ce que c'est. Il commence avec un tribuchet, un chevalier du royaume et un chevalier Pégase. Pégase très fort, surtout si on doit prendre des murs. Ça, c'est une tuerie. Voilà. Légendaire très difficile. Légendaire, let's go. Prochaine fois qu'il y a un vote, on pourrait demander à quelques viewers de faire un discours afin de convaincre les autres viewers de voter pour son champion. Ça pourrait être très stylé, ouais. Tori. Faudrait m'y refaire penser d'ici 2 semaines. Peut-être 3 semaines pour le coup cette fois, parce que la semaine prochaine, je suis pas là pendant un petit moment. Je revois un peu les proches. Parce que je rappelle, hein, j'ai déménagé et donc du coup, pendant 4 jours, on va revoir les proches... On va faire quelques, on va en profiter, on va bien manger, on va se changer un peu les idées, tout ce qu'il faut pour se requinquer, et après... Salutations, roi bienveillant. Votre règne sur la Bretonnie est béni, et pourtant, les ténèbres se répandent depuis l'étranger, et menacent votre royaume. La menace est réelle, il faut s'en débarrasser. À l'est, les cupides princes marchands de Marienburg... conspire pour Marienburg. Leur fortune. Marienburg. Ah, ils disent comme ça. Marienburg. Marienburg. Et comme presque rien. Marienburg. Marienburg. Plus au sud, dans les montagnes grises, les peaux vertes et les nains s'affrontent pour le contrôle des pics. Ceux qui sortiront victorieux pourraient bien vous faire du tort, monseigneur. Au-delà, les elfes sylvains protègent leur territoire dans leur forêt mystérieuse. C'est normal. Sur la côte, le duc de Bordelot est aussi imprévisible que les vagues capricieuses et cache autant de secrets que les profondeurs abyssales. Ailleurs, les seigneurs morts-vivants de Mousillon guerroient contre les mortels.
Les duchés rivaux ignorent la menace qui pèse. C'est donc à vous d'agir, sire. Seule une Bretonnie unie pourra affronter ces dangers croissants. Levez votre bannière, roi cœur de lion, et chassez le mal de ce monde au nom de la Sainte Dame. La Sainte Dame. C'est chiant, je peux pas faire mes effets parce que le truc il est cassé. Les ducs de Bretonnie ont vécu de nombreuses années suivant le code de chevalerie. Honorez cette tradition et bâtissez votre royaume sur les fondations de Gilles le Breton pour mener les ordres de chevalerie vers la gloire. Gilles le Breton, oui ! Alors. Absolutely not, champion of the lady. Oh, je suis... Quoi ? Il y a deux Pégases ? Attends. Et attends, non, what ? Sérieux ? Ok. Alors. I am the blood of Gilles. Not likely. Je suis pas sûr qu'il accepte la bataille, hein. Donc je suis en guerre contre lui. Je suis en guerre contre beaucoup de monde d'ailleurs. Contre les orques en bas. Couronne. Ok. Couronne se porte bien. Ouais. Alors déjà, à vue d'œil comme ça, je dirais qu'elle va jamais accepter la bataille. 8. Et si je les laisse rentrer à l'intérieur. 2, 4, 6... 7, 9, 9 et 8, 17. Nous, on est 12. Ouais. Ok. Ben, si, pour moi, j'en ai que un normalement. Et j'ai zéro mode, hein. Y a rien dans la campagne, là. Ah, mais j'ai pas l'attaque éclair. Je peux pas challenge si c'est en bas du château, comme tu dis. Je peux pas l'attaque éclair. Mais moi, honnêtement, j'en sais rien, mais... éclater lui et la ville en un tour. Non, je pense que tu t'avances un peu trop. En fait, il faudrait que j'éclate très fortement son armée, oui. What would you have of me? Elle est rapide. Waouh, le trait éclaté. My blade is ready. Écoutez, on va quand même tenter le truc. De toute façon, c'est le premier essai. Ça, oui, quoi qu'il arrive. Et après, quoi? La croissance. Niveau paysannerie. Moins 100% toutes les armées pour les troupes paysans. Donc, ça marche à plein régime, là, visiblement. Donc là, si je fais ça, j'ai un gros apport en revenus. Par contre, j'ai pas la croissance. Ah si, la croissance, c'est là. La croissance, c'est là. Un apothicaire, un sanctuaire. Je savais pas que la croissance, ça se retrouvait dans le refuge pour les pestiférés. Le sanctuaire et l'apothicaire, c'est quoi? C'est des soins? Une gamme très variée de fioles et de poudres recouvre les murs. Aussi aberrant que fascinant, la dame n'accorde pas toujours le salut, mais son aide bienveillante est d'un grand réconfort. Ouais. Là, je peux avoir des foules de paysans. Je peux avoir jusqu'à 3 unités en plus pour être toujours dans le positif, normalement. C'est ça, hein, de mémoire. De toute façon, on verra bien. Et ça, du coup, ça l'influence beaucoup. Ok. Je pense qu'on peut pas se permettre de refuser ça, par contre. Derrière, niveau technologie, y a pas moyen. Tu veux te faciliter la vie, tu rush absolument la diplomatie avec eux, donc tu... En fait, on va essayer tous les confédérés, mais on va viser principalement, voilà, Lyonnaise et la Gasconie.
Ah oui, ok, d'accord. Là, j'ai le droit à Lyonnais. Là, j'ai le droit à la Gasconie. Là, j'ai le droit à Bordeaux. On va aller chercher là-dedans. C'est ça qu'on veut. Chevalerie 5, commandement pour les seigneurs, armure, ok. On ira voir l'économie plus tard. Relations plus 50 avec les... Ah. Et ça, ça me demande que 8. Relations diplomatiques plus 100 avec les chevaliers. Ouais. Ça, c'est avec les nains. Ah, c'est peut-être mieux, ça. Hein. Plus 50 avec les chevaliers de Lyonnais. Plus 100 avec la faction errant. De la flamme. D'Origo et l'armée d'errant. De Gérode. Chevalier de Lyonnais. Oui, on est d'accord. C'est Jeanne, ça. Hein. C'est Jeanne. Ouais, ouais, ouais. Ça pourrait être un deuxième front assez sympathique, d'ailleurs. Avec chevalier... Ah non, c'est peut-être pas les mêmes. Lyonnais, c'est ça. The laws of chivalry... Et chevalier Lyonnais... Ah non, c'est pas les mêmes. Salut Fana. Strength and honor. Ouais, donc on va peut-être... Alors, c'est qui les plus proches? Là, j'ai... Welcome, friends. Let's hope we can come to an accommodation. Ok. J'ai Artois. Lyonnais, c'est les plus proches, donc je dirais que normalement, je vais plutôt de ce côté-là. Hein. Lyonnais. Jusqu'à la Gasconie. Et entre-temps, Bordeaux, on verra bien. Bon, bah, on va essayer de faire cette bataille. On va voir si je peux les avoir. Si je peux pas, je vais recruter. Je vais rentrer à l'intérieur le sorcier. Et on va voir ce que ça donne. Absolutely not, champion of the lady. Ça me dépense que ça pour l'attaquer. Ride. Et je pense pas qu'il va accepter la bataille. Oh, I take my leave. Attendez, sérieusement, le truc... Warrior King. Bah là, je vais l'éclater complètement. I have seen your heart. Ok. En dedans. Non mais on fait tomber Marienburg si vite, sérieux? Parce que là je croyais que Marienburg allait peut-être recevoir du soutien, mais visiblement non. On va la faire soi-même. Hein? Ouais. On va la faire soi-même. Ok. Puisque là honnêtement ça a l'air facile là comme ça. Mais j'ai l'impression qu'ils ont augmenté les forces de l'armée de départ, c'est bizarre je trouve. Petite question concernant l'économie paysanne. Si je fais des bâtiments d'industrie pour mon économie, j'ai rien à faire. T'en as rien à foutre. Ouais, littéralement, Iskandar, tu t'en fous royalement. Allez, mes petits trébuchés, vous allez faire votre taf, y a pas de souci. Oh là là. Par contre, j'avoue que c'est un plaisir à gérer ce genre d'unité. King Luan Leocan. I serve the lady. Ok. This is my realm. Pegasus Knights. Allez, on va le chercher. With speed. Ça, c'est une façon de bloquer. Voilà, les mortiers vont chercher à tirer sur Luan. Pendant ce temps-là, les autres avancent. Mes tribuchés vont accueillir gentiment les bretteurs. Et ça va faire très mal. Ouais, eux, ils sont cachés. Elle est juste trop bien, la map, non? Alors, je sais pas sur lequel il tire. Voilà. We are ready. Immediately.
Faites attention de pas s'en prendre un. On essaye de pas se blesser au maximum. Hein. Voilà. Fais attention. Voilà. Voilà, on essaie d'économiser au maximum. On fait avancer eux au cas où. Ah oui, avec cette formation. On peut attendre tranquillement. Non, 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 ne charge pas, si possible. Voilà. Ça, c'est mort. Ok, on poursuit. On enlève la formation parce que c'est plus facile pour eux de sortir après. Là, faudra pas oublier la touche J. Souvent, elle va nous aider. Louan se tape contre le seigneur, là. Allez, je pense qu'on le prend. Ok, c'est bon. On a fait abandonner tout le monde. C'est parfait, il est mort. Ok, deux pertes. Deux pertes où? Je ne sais pas. Donc ouais, en fait, je sais pas, mais... J'ai quand même envie de vérifier. Bon, visiblement, quand on prend l'argent, il n'aime pas. Donc, on va prendre le commandement vu qu'on prévoit d'attaquer Marienburg. On a obtenu la bénédiction de la dame. On est d'accord, hein. Ouais, je peux pas sauvegarder. Bah non, mais je sais pas. Je suis assez étonné. Ah mais oui, je peux sauter directement dessus. Pardon? Mais ça a changé là. Mais ils l'ont simplifié le départ bretonien. C'était pas du tout ça avant. Celui qui m'avait dit là sur le chat, il avait complètement raison en fait. Parce que moi je connais pas ce départ du coup. Ah ouais, on peut attaquer dès le début. Ouais, par contre, c'est un poil dangereux avec ça à côté. Ça, va falloir le raser, hein. Je sais pas s'il va recruter, mais... Ah ouais. Salut, Bilbon. C'est quoi, ça? Sérieusement? Mais tu m'étonnes. Enfin, c'est... Alors, la refonte. J'ai pas vu de refonte. Mais je sais pas depuis quand on a deux Pégases. Moi, j'ai le souvenir d'un. De deux catapultes, j'ai le souvenir que d'une. Et je savais que normalement, il fallait que je tue... Enfin, que j'essaye de choper la première armée. Si j'y arrivais pas, il me semblait que je recrutais pour après rentrer dedans. Mais là, en gros, l'idée, c'est... hop, tac. Tac, bah, on va péter la porte, hein, de toute façon. Eux vont essayer de grimper sur le mur. Alors attendez, faut que je gère correctement le truc. Donc en gros, je les fais grimper là.
je fais tirer sur le côté, les catapultes, je chope la porte, parce que sinon je vais mettre 3 ans à péter la porte. Tac, tac, on va la mettre devant pour qu'elle prenne les coups. Et les Pégases, en fait, bah, vous allez voir, les Pégases, c'est un effet Varghest que j'adore. En un peu moins puissant, je trouve, mais c'est quand même très fort. Là où on va avoir très mal, c'est quand les chevaliers du royaume vont rentrer à l'intérieur et qu'il va y avoir du halbardier. Mais sinon... Regardez, là en gros ce qui va se passer, c'est que je vais pas arrêter de faire des charges là-dedans. Les mecs, ils vont en avoir ras le cul. Tu cycles tes charges sur les murs, c'est hyper efficace. Voilà, tirer sur la sorcière, c'est bien, elle a pas trop de vie. Par contre, pour tomber la porte, c'est pas rapide. Hein. Vous allez voir, ça va juste être monstrueux. En gros, je vais commencer par les arbalétriers, là. Autant que eux arrivent. Gardez la vie. Spoil, ça fait très mal. Il est en sens où dans la porte. Et il s'envole hyper rapidement derrière. Et hop, tant que tu considères que lui, il est pas assez blessé, et bah hop, t'y retournes. Voilà. Et c'est comme ça que sur les murs, enfin les Pégases, c'est juste fou pour ça. C'est juste totalement fou. Ok. On va pouvoir s'occuper d'autre chose. Donc là, les bretteurs sont très efficaces contre les nôtres. Mais devinez quoi? On a des Pégases. La porte, elle en est où? Ok. Allez, hop, les deux, on envoie. Voilà, on vient d'en faire abandonner deux, donc on va essayer de les faire en sorte qu'ils s'envolent de nouveau. Pendant que ils vont engager ça. Putain, mais ils s'envolent en plus trop bien. Là, j'essaye d'atteindre les albardiers parce que forcément, ça fait mal. J'ai pas d'albardier en face, donc ça sert à rien que j'aille plus loin pour l'instant. On fera attention aux albardiers. Les Pégases ne prennent rien. Mais ouais, mais franchement, je... On les envoie. Allez, hop, ils s'envolent de nouveau. Vous partez dans la mêlée. Vous vous cassez. Voilà. Alors, il y a de l'albardier. Ok, je pense qu'on peut y aller maintenant. Est-ce que je charge les albardiers? Pas tout de suite.
We serve King Luan Léonquin. Ah là, de toute façon, les albardiers sont partis dans la mêlée. Awaiting orders. Allez, c'est parti. Hazard Bowman. King of Bretonia. Ouais, il faudrait que tu ailles l'aider. Vous, je vais vous mettre de ce côté. Et vous, bah, allez. Hein. C'est là où on va avoir le plus mal, par contre. To my banner. Allez, on va refaire une charge dedans. Mais il s'envole trop bien en fait, hein. Ok, ça abandonne, bah ça plie, je crois, hein, niveau moral, hein. Bah ouais. Bah c'est 10 fois plus simple maintenant de choper Marienberg qu'avant. Wouah. Eh bien. Si, si, elle pouvait monter, mais bon, elle est pas... Elle pas être très utile. Ah si, les Pégas, c'est... ça a toujours été pété, ça. Et salut Marlène, du coup. Merci Uziomaru, merci à toi pour ton follow, bienvenue. Bah, je vais essayer d'aider les hôtels, enfin si jamais ils se font envahir. Hein. On évite ce genre de choses, hein. On occupe juste. Champion of the lady. Bon, on a un peu de croissance. Je vais peut-être pas prendre ça tout de suite. Je voudrais bien. Ah, après on a 50. Hein. Ah oui, on a 50. Dans 3 tours, ouais, c'est pas non plus énorme en vrai, parce que en gros, il me faut ça rapidement pour avoir le mur derrière. Alors là, normalement, si je me trompe pas, à moins qu'ils aient modifié ça, voilà, vous voyez, ils aiment bien qu'on tape sur lui. Et lui, tout de suite, on voit si on peut tout de suite avoir un petit truc. Visiblement, il n'est pas chaud. Ah mais si, on possède l'anguille. Donc on le possédait pas. I am the blood of Gilles. Ça je casse pour l'instant, je pense. Ça me sert pas grand chose. Coup de recrutement, revenu des fermes, région locale, intégrité. L'intégrité, je pense que c'est peut-être le mieux en soi. Parce que revenu, région locale, louant va être souvent en guerre. Donc intégrité. On va mettre la croissance. On va essayer d'aller le plus vite possible pour dépenser et se mettre bien. Et nous, on va attaquer directement là-bas, en fait. Hein. Ah, si je pouvais, bien sûr. Enfin, si je peux, en vrai, bah, normalement, il n'y a pas d'armée, hein, concrètement, contre eux. Là, le mec, s'il recrute... Là, normalement, t'as pas d'armée. The lion. Je ferais bien du coup peut-être une petite ferme justement pour faire du paysan et de l'archer paysan. La foudre d'Uranon. Ça m'inquiète un peu. On va voir. J'aurais pu déjà commencer à avoir d'ailleurs des petits traités avec tous les Bretoniens, normalement. Ouais, tout le monde est assez chaud pour commercer avec la Bretonnie assez vite. Hein. J'aurais dû d'ailleurs regarder de très vite. Je vais peut-être attaquer ça en premier du coup. Hein. What the fuck? Huit.
avec quand même quelques troupes dedans. You seek the lady's favor. Je peux aller recruter là-bas. Ah, attendez. Do you know who I am? The lady grants you safe passage in the... Ask a peasant. I accept. Lord of the lady grants you safe passage. I accept. Voilà. Je verrouille certains. Present, future. Mais elle, normalement, je vais lui plaire énormément à un moment, donc... Ok. Now, welcome brothers from across the Not likely. Ah, c'est pas grave, t'inquiète. Parce que je sais que t'es un relou, toi, de base. Le problème, c'est que si toi, tu recrutes, ça me plaît pas. Je dois t'avouer, ça me plaît pas beaucoup que tu recrutes. On va mettre l'ordre public du coup. Histoire de calmer un peu la chose. J'ai envie de remonter jusqu'à là-bas tout de suite, mais... Après, Marienburg, c'est déjà bien. Je peux presque faire un traité... En vrai, je peux presque faire un traité de paix, hein. Moi, concrètement, c'est Marienburg qui me plaît. Parce qu'après, je sais que j'ai la Norska qui est casse-couille. Donc, une fois que j'ai cette ville, en vrai... Be at peace, for that is all I ever want. C'est pas si déconnant de faire un traité de paix maintenant, hein. Salut Farzadgaf. Oui, du coup il est sorti. Bah, c'est une campagne qui va être plus longue que prévu, les hommes bêtes, mais ça va. On va le faire. C'est vrai que je me dépêche parce que s'ils annoncent le prochain DLC, imaginons. En fin avril. Que je termine Khazrak avant, quoi. Histoire d'éviter que sur YouTube il y ait encore des épisodes Khazrak alors qu'il y a le nouveau DLC. Ça serait pas très... Ah bon? Pourquoi j'aurais un malus de diplo là? Parce que si je le fais pas maintenant, il aura peut-être du mal. Hein. Parce qu'en fait, j'ai envie de choper lui et j'ai envie de commencer déjà à... Voilà, lui par exemple, bah t'es en guerre contre lui, je vais rejoindre ta guerre potentiellement, je vais attaquer, je vais demander des accès militaires. Ce genre de choses. Lui, j'ai envie de l'attaquer, mais ça me semble un peu tendu quand même de le faire. J'ai de la forêt juste ici. Je peux tenter une embuscade, hein. 70% ça passe, le mec m'attaque. Bam. Ça, c'est de la chance de défense embuscade. Donc, il n'y a pas vraiment moyen. Province locale. Ouais, ouais. Revenu de l'industrie plus 10% en région locale. Ouais. En vrai, à part l'attaque éclair, il n'y a rien d'intéressant ici. Hein. Si je la fais trop tôt, c'est pas bon. Ok. Parce que ces territoires-là m'intéressent pas. C'est trop proche de la Norska et la Norska c'est chiant. Marienburg ça se défend bien, Couronne ça se défend bien. Il faut juste qu'en fait avec mon armée maintenant je traîne dans ce tas là. Donc ouais je pense que je vais faire... Je vais tenter une petite embuscade. Je sais que ça plaît pas trop au niveau... Voilà, chevalerie hein. Victoire serrée, tout ça, ouais. On a un commandement, on a l'autorité moins 20 parce qu'il y a des orques. C'est relou, mais c'est comme ça. Et on va économiser de cette façon. Et si ça passe... C'est 70%, c'est haut, hein. L'air de rien. Non, il ose pas attaquer. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'enlever de Marienburg parce que je pense pas qu'il ait de catapulte. Il va vouloir l'assiéger. King Luen Leonker. Et je vais, moi, recruter de là-bas.
You seek the lady's favor. My journey begins. Oh là là, il va y avoir des rébellions dans tous les sens en fait. By the light of the lady. Ok. Ok. You are a guest in my realm. Allez, l'orque, tu m'attaques ou pas? Tu peux venir là. Oh, c'est marrant, je gagne. En auto-réseau, je gagne, les gars. Apparemment, je comprends pas. Voilà. Ok, Impi, c'est pas grave, j'ai vu ses forces. Ça me va. Votre armée a perdu la bénédiction. Je m'en fous. Si je rajoute ça, il est mort. Donc, donc il va sûrement vouloir assiéger. Moi, j'ai besoin de me compléter un peu. Alors là, maintenant... Alors, j'ai pas besoin de mur ici. C'est parfait. Bah, ce qu'on veut, c'est de la cavalerie. Hein. Y a pas d'autre choix. Les catapultes, on peut les avoir assez tôt. Mais nous, ce qu'on veut, c'est des chevaliers errants. D'ailleurs, toi, au niveau de tes vœux, ça y est, t'as déjà tout validé. Ok. Entretien réduit. Entretien réduit. Entretien réduit. Pour les chevaliers errants, royaume Pégase. Chevalier de la quête. Graal, Pégase royaux, hippogriffe. Ok. Est-ce qu'il va m'attaquer la ville? On va voir. J'ai pas fait de bâtiment, non? Ok, parfait. Il a assiégé ce que je voulais. Si, si, c'est bon, je l'ai fait. Croissance 2, recrutement local, ok. Je ne sais plus du tout si à la base... est-ce que je suis en revenu de paysannerie à l'intérieur? C'est revenu de l'industrie moins 100%, sachant que l'industrie c'est ça, ça... Je pense qu'on va être sur la revenue de paysannerie de toute façon, parce que ça rapporte beaucoup. Ah ouais, pas mal ça. Ça apporte un chevalier du Graal en garnison. Waouh. Autorité adjacente, c'est pas mal non plus. Champion of the lady. Donc là, je me cache. Qu'est-ce qu'il va faire, lui? Ils sont 20, quand même. Hein. King Luan Léoncoeur. Ils sont 20, les bougres. Donc, faut très vite que je puisse... ouais, ok. You seek the lady's favor. Il peut pas m'assiéger tout de suite. Est-ce que l'event de moins 20 orques, j'ai pas eu de chance? Non. Est-ce que l'event, du coup, j'ai pas eu de chance? Ou il est vraiment programmé pour le début? Ça changera rien, les gars. J'ai moins 20 d'ordre public. Ah putain, il a une catapulte, je savais pas. Je ne savais pas. Bon, c'est pas grave. Les gars, j'ai ça qui s'applique pendant 20 tours. Donc, ça sert à rien que j'essaye de gratter pour de l'argent. Autant que je me renforce vraiment et... Vous voyez, maintenant, il est moins chaud. Il faudrait que je lui remette une autre baffe pour justement lui plaire.
Greetings from Sigma. Un accès militaire, ouais. Honnêtement, je le valide. Par contre, j'aimerais vraiment avoir Marine de rien. Ok. C'est de la gestion. Bah là, si l'autre recolonise le truc, moi ça me va en vrai. Hein. Il recolonise, je le rattaque, je repossède, il a plus d'armée, je fais un traité de paix. Je pense que c'est bon. Il est programmé du coup l'event à moins 20 là. Ah bah il fait bien mal au cul. Hein. Ok. Ok. We are ready. At speed. Faut que je fasse gaffe. Alors, en gros, une fois qu'il va rentrer dans ma portée, je fonce là-dessus. Vous voyez les plongeurs, le problème c'est qu'ils sont auto-guidés. Donc, ils font mal. Allez, au moment où ils vont tirer, je vais changer complètement de direction. Je vais regarder sur lesquels ils tirent déjà. Ok. Alors bon, ces archers, ça va pas me piquer beaucoup, hein. Pas ça qui va me faire mal. Je sais, par contre, c'est que si tu fais le malin. Ok. King Luan Léoncœur. De ce côté-là. Alors normalement, toi, tu abandonnes, hein. Littéralement. On se laisse pas surprendre. Et vite.
Run them through! Ready to launch! Bowman, ready! Get away! Number nine! Cut them down! Men at arms! We obey! Voilà. Post haste! Running away! Mais il a tué ma sorcière ? Merde ! Je viens de perdre ma sorcière. Ou alors elle a fui, je sais pas, mais... Ok, bah là du coup, il faut que j'achève au maximum. J'ai pas trop le choix. Parce que je veux pas qu'ils reviennent dessus. Je sais pas s'ils sont très bons pour achever quand même. Hein. On verra bien. Allez, on fait en sorte que toutes les unités... Voilà. Tac, fonce là-dessus. Ici, c'est bon, visiblement. Pourtant, j'espérais qu'en la protégeant avec le truc, j'allais tenir, mais... Voilà. Allez, on court après tout ce qu'on peut. Ils vont réussir à fuir. Il en reste un, c'est bon. Ici, visiblement, c'est bon. Il a pu la porter, donc je vais pas risquer de me blesser. Et on sera OK. Voilà. La cavalerie. Ouais, donc elle est morte. Merde. Dommage. Je vais gratter un petit niveau. C'est la cavalerie, tu vois, 227, 228, les chevaliers du royaume, 115, 142, les Pégases. Quand on joue sur mur, Pégase, quand on joue sur plaine, plutôt la cavalerie. By the light of the lady, glory awaits. Alors j'ai pas trop envie... En fait, je pourrais le laisser capturer presque. Et là, visiblement, il arrive à aller jusque là. Moi, je suis pas obligé d'aller... Ah non, elle est vivante! Oh! Bah après, elle était nulle. Hein. En vrai, elle est nulle. Hein, parce que, bon, niveau point de... Enfin... Tu m'as fait peur! Tu m'as fait peur, Marie! Marie, c'est truche. Marie Cetrus. Papa. She's alive. The lady calls. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fusionner ça. You seek the lady's favor. On est... Ah oui, bah oui, j'ai perdu... Donc si je fais ça, c'est plus ou moins 100%. Ouais, faut que je fasse attention. On est à 10 sur 10. Pour l'instant, c'est bon, mais... Raoul, chill out. The man can get. Raoul, chill out. On a une rébellion orc. Merci beaucoup, Erika, pour les 300 bits. J'espère que tu vas bien, Drika. Salut, Mose. Salut, Docteur Faust. Bon. Pff, en vrai, c'est nul. Moi, je régène. Lui, non. Je peux attaquer ça, revenir en arrière. Et alors, sauf si l'Empire
Voilà. J'avais le schéma où Marienburg est récupéré par l'Empire. Bah, à partir de maintenant, je peux faire un traité de paix avec lui, hein. My blade is ready. Ça ne m'intéresse plus ici. C'est dommage, j'avais l'occasion d'avoir une grosse économie avec ça, mais si l'Empire capture, c'est mort. Normalement, j'ai un accès militaire, donc on va tout faire pour lui plaire. Et eux, je vais faire en sorte de faire la paix. Voilà. Champion of the lady. Je suis sûr qu'il y a un monde où on peut l'avoir, mais pour l'instant, on va continuer comme ça. Mais doucement, hein. By the light of the lady, I'll ignore that. Je sais pas s'il est chaud de m'attaquer ici, précisément. The lady okay. Grants you safe passage in these lands. I must protest. Dommage. Ben d'accord, j'ai un accès militaire avec toi. Hein. C'est dommage. Luan Leoncoeur. Ouais. The Lion. Donc tout me coûte. Ouais. Des paysans. Donc je vais faire ça d'abord. Et après on va voir. You seek counsel? Je pense que c'est peut-être mieux un cheval de guerre qu'une licorne, non? T'as combien d'armure là-bas? T'as 20 et tu perds de l'armure avec ça? Sérieux? Bon. On va voir si l'autre m'attaque. Je pense pas qu'il ose. Mais moi, je vais bientôt oser, du coup. Je vais le calmer, je vais faire un traité de paix. Vous m'avez dit 10 tours, apparemment, pour faire la paix sans problème diplomatique. J'en suis à 8. King Luan. Là, on n'est pas si loin. Hein. Je gagne à peine 48. Making my way. Que je peux faire, c'est me cacher. Your plan is a good one. Chevalier Sinop, comment? Ouais, ouais, tous les serments de seigneur, machin. Ouais. Welcome, friends. Let's hope we can come. I refuse. Pourquoi tu refuses ça, toi? Allez, Lyonnaise, on va gagner plus 100 dans un tour, parfait. Et ça sera peut-être les premiers qu'on va confédérer pour aller sur Moussillon. Puis après, on va voir pour les aider peut-être contre eux. Et on va tout faire pour plaire à lui. J'aurais peut-être une occasion, qui sait. Bah ça va, Dreka, ouais. Nouvelle campagne. Bon, normalement, je peux l'attaquer, là. Je devrais avoir assez régène. Je vais faire la paix avec lui au prochain tour. On prend les 3000. Ah. Peut-être pas tout de suite, non ? Les armoiries de Lyonnais ont d'abord été adoptées par Thierry, le compagnon du Graal le plus dévoué de Gilles le Breton. Avant les illustres batailles, Thierry de Lyonnais épousa la sœur de Gilles et devint également le confident de son beau-frère. Il fut plus tard l'un des deux compagnons bénis par la dame avec Gilles lui-même et alla victorieusement se battre dans chacune de ses illustres batailles à ses côtés. Le symbole de lion de Lyonnais représente la nature courageuse de Thierry au combat, ainsi que la bête que lui et son frère auraient miraculeusement terrassée étant enfants. Je peux payer. Ah! Ah, si je peux payer par contre.
Confédération avec Lyonnais, moins 5000, bah ouais. On peut faire ça, non? On va essayer. Boum. Alors là, bien sûr, on paye très très cher. Oh, ouais, non, mais quand je vous dis que l'IA ne respecte pas le truc. Bon, on va commencer par ça. Donc on est à 19 contre 20, mais 20 nuls contre des unités très puissantes. En plus, ils sont en mode courir. On va signer ça à 1-2. Let's go. C'est les batailles quand même qui sont... Avec la cavalerie, quand on a genre 6, 7, 8 unités de cavalerie, je les trouve assez jolies les batailles. Quand c'est bien maîtrisé. Merci à toi, Trollola Niku. Merci à toi pour ton follow, bienvenue. Et salut Manu Maxu. C'est Manu Xeno, j'allais dire Manu Maxu. Je sais pas pourquoi. Merci Grignage pour ton follow. Et salut à toi. Un petit problème d'utilisation de catapulte. Non, non, c'est bon. En vrai, on peut faire mal. Voilà. Et on va essayer de tenir au maximum. J'avoue que la Bretonnie, un jour, j'aimerais bien qu'ils aient d'autres unités d'infanterie, mais je sais pas qu'est-ce qu'ils ont d'autres, en vrai. Mais j'aimerais bien. Alors, 3. 4. 1. Toujours le tanking, lui. 2. La sorcière. Ready to fire. Peasant Bowman. C'est vrai que j'aimerais bien. Ouais, mais le problème, c'est qu'avec l'accord, en fait, c'est pas qu'ils peuvent, c'est qu'il faudrait que, dans ce cas-là, de leur côté aussi, ils sortent des unités peut-être en figurine. La forêt va nous faire un peu chier. Hein. Faudrait que je vise autre chose, genre là, là. Par exemple. Hold steady. We obey. We are ready. C'est vrai que c'est une faction où j'aimerais bien voir de d'autres infanteries un peu mieux. Généralement, je pense que c'est les unités dont je suis le plus fan. Enfin, après, voilà, mon unité préférée, c'est le Varghese, mais... Généralement, j'aime beaucoup utiliser l'infanterie. Et vu que chez eux, c'est beaucoup réduit. Est-ce que vraiment, tu m'offres sur un plateau ça, là ? On dirait, hein. Ça y ressemble, hein. Ah, c'est vrai que t'as... Bah, tiens. Liar!
Ah bah oui, hein, faut pas me le montrer deux fois ça. Hein. Enfin, ils ont un bouclier, donc ils tankent. Et en plus, c'est un bouclier argent, donc c'est pas de la merde. Allez, eux peuvent revenir très vite. Voilà, ici, tiens, parfait. Voilà. We serve the king. The lady protects me. Field trebuchet. Kill them all. King Luan Leoncoeur. Spearmen at arms. OK. Allez, hop, gros coup au moral là. On attend pour les Pégases. On réactive son trait. Tire là-dessus. C'est lui, Ridan. Non, il n'y a pas de 24 heures au final. J'ai prévenu, j'ai mis dans le titre. Parce que, comme je dis, moralement, c'est pas forcément... 24 heures à tenir, c'est long pour moi, là, actuellement. D'ailleurs, personne bug avec la Norska, car je suis coincé à 80. Ça ne monte plus. Est-ce que tu as choisi le corbeau, du coup, au hasard, Grignatz? Donc là, on vient de détruire son armée entière. Et bah, tu peux regrind un autre. Parce que le corbeau est bugué. C'est comme moi. Et donc, on va essayer d'aller attaquer ça, du coup. Pourquoi j'ai pas de régène? Ah, ouais. Ça, c'est à cause de ça, ok. Logique. Ça, tu peux le virer. Ça, tu peux le monter. Alors. My reputation precedes me. Ok. We have met before. Alors. Devotee of the lady. Qui va donner à qui? Alors, est-ce que du coup je possède un truc en bas là? Ben non, je possède pas Jeanne du tout. What is your behest?
Chevalier lyonnais, ça doit être Jeanne du coup, je suppose. My lady calls. Alors ça c'est pas mal parce qu'ils ont des... Donc eux ça va virer. Tout ce qui n'a pas de bouclier ça vire. I have seen the way. Ah donc déjà ça on sait que... On fait sauter. Your coming was for Thor. On fait sauter. Yes. Armored in faith. Protector of the realm. Ton trait, aucun compromis, ouais. Blessings of the lady be upon you. Ah, plus 10 de chevalerie, lui. Peut-être mieux, hein. Do you know who I am? Spellcaster. Par exemple, tac, tac, tac. Trait de seigneur, ouais, c'est pas mal trait, ce petit trait, en vrai. Ça gratte, je pense. Donc là, déjà, je suis toujours à moins 90, sauf que si je commence à virer... Tac. Toujours à moins 90. C'est quoi qui me donne déjà de la paysannerie, c'est ça? Non? C'est ça? Je sais pas, non? C'est quoi qui me donne des paysans? C'est les villes? Juste la ville? Pour chaque colonie sous votre contrôle, vos armées peuvent intégrer deux unités paysannes. Ok, donc là je viens d'en... C'est pour ça que je suis à 12. Ok, et si je, par exemple j'attaquais... Ok. Donc en fait, c'est pas possible. Je peux pas la tenir l'armée là. Actuellement, je ne peux pas. Sachant que la plupart des paysans que je voudrais tenir, ils sont ici, je crois. On va rester avec ça pour l'instant. Ah, toujours pas chaud, hein. Donc il y a une autre armée, hein. Be at peace. For that is all I am. A weak order. J'aimerais bien faire la paix avec eux, mais faut que je leur mette sur la gueule, quoi. Yes. Ouais, bah non, ça saute. Hein. Voilà. Et là, on retourne en positif. Je vais regarder gentiment ici s'il y a... Ok. Donc si je me dépêche, je peux aller attaquer lui. Imaginons il en recrute encore 3, plus ça, normalement je gagne quand même. Et c'est pour ça que je vais en recruter un de plus, comme ça. Voilà. Pour l'instant, niveau écho, c'est un peu dur, mais... Non, celui avec qui je voudrais faire la paix, c'est lui. J'aurais peut-être dû signer ma paix quand j'avais l'occasion, hein. Bah parfait. Je peux pas demander mieux là de ce côté-là, hein. Ouais. Parfait. King Luan. Du coup, je vais attaquer ça en espérant. Ok, ça c'est un truc constant. Désactiver si, ok. Commandement, ouais, ouais. Cœur dans l'aliment inébranlable, ouais. Ok. Les chevaliers de la quête. Relations diplomatiques avec 10 avec toutes les factions, ouais, 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 ouais. Ouais. Bretonnie, bouclier du lion, ok. On va quand même aller chercher quoi qu'il arrive.
On peut gagner 10% grâce à ça. Et pour l'instant... C'est peut-être ce qui m'intéresse le plus. Gagnons un petit peu d'argent. Ok. J'ai un accès militaire, donc je peux attaquer ça. Je vais la faire rentrer dedans. Et normalement, bah peut-être que du coup, le truc va partir. Après ce qu'on m'a dit. Oula, ma cavalerie a pris quand même quelques dégâts, je viens de voir. L'autoréseau, je suppose. Smite them. I shall prevail. Ok. Non, avec l'Empire à côté, il aurait pas repris. Je suis quasiment sûr. C'est pas grave, je vais faire sans, mais c'est vrai que Marianne Burke, si on peut l'avoir. Alors. Tac. We fight for Bretonnia! Knights of the Helm! Vale Trebuchet! Je ferai avec. Et si j'avais réussi à la posséder, j'aurais été content. Ils sont nombreux quand même, hein. Oh là là, par contre, le style du trébuchet, je kiffe tellement. Il est simple, mais ouais, c'est... Il y a ce petit côté médiéval, quoi. Qui me ramène dans la nostalgie. Sinanuk pour ton follow, bienvenue. Ah, les orques costauds, si on peut les shooter. Let's go, hein. C'est marrant comme l'IA essaie de vous esquiver, vous avez vu? Elle fait des moves pour dodge vos tirs de catapulte. Ah bah forcément oui, tu prends cher. Hein. C'est que je vois rien avec la neige. Je sais pas du tout ce que je fais. Ah bah ça a frappé pas mal. Defenders of the realm! For our lady!
King Luan Leonker! Child of Light! I call thee forth! For the Lady! Knights of the Realm! Pegasus Knights! Voilà! Petite ville assez facile à péter. J'en suis une petite quand même, réclame de moi, couronne. Bah oui, bah c'est normal, il est en guerre contre Marienburg, donc du coup, bah. Généralement, en vrai, Marienburg, du coup, revient à la Bretonie. Ah ouais. Genre, ça, c'est moins 30. Ok. Moins 30 et 5000, j'avoue que. Après, raser un petit 701, bon, après, pourquoi pas. Voilà, on passe un palier, on est content. Maintenant, on va se dépêcher de retourner là-bas. Be at peace, for that is all I ever want. We cannot. Je voudrais, c'est faire la paix contre eux, mais ils sont pas chauds. Regarde d'où il a trois villes, lui. Deliver your missive and... D'où il a trois colonies? Une, deux. Ouais. La troisième, elle est où? Elle est cachée? Do you know who I am? Je peux soit aller là-dedans. Me dire que 60 c'est bien. Parce que là je peux aller jusqu'à 30. C'est quand même un tiers de plus. Ça, ça ramène de l'argent, c'est sûr. Mais là, il y a peut-être plus important là, non? Ah! C'est cher! Lord and Hero. Ouah, c'est dégueulasse, c'est trop cher! Bah non, du coup, ça. Hein. Ah bah oui, hein. Ah bah oui, hein. Trop cher, ça, monsieur. Making my way. L'évasion, fin de tour. Je me prépare à courir. Oh putain, je croyais que c'était l'autre qui m'arrivait dans la gueule. Merci du coup, Fulguralk, pour ton follow. Bienvenue. Pourquoi le start me paraît facile? Comment ça? Bretonnie? Je sais pas si ça a été... This is Bretonnia. Généralement très compliqué. Non? Ça eût déjà été compliqué, ce départ? I assent to your orders. Attends, j'ai besoin qu'elle vérifie. Voilà, apparemment, il n'y a personne. I take my leave. Donc, on va jusqu'à là-bas. Be at peace, for that is all. Not in my name. Ah oui, c'est le fort. Oui, pardon. Ouais. En effet. Alors. Valiant Lord, the Lady Grand. T'as bien aimé que je tape sur eux. T'as bien aimé. Never. Du coup, non, je vais plutôt aller de ce côté-là. Hein. Maintenant, hein, 4 tours pour ça, pour après aller choper le reste, etc. Ouais. Champion of the Lady. Je gagne 846 par tour, c'est pas si mal. Je vais avoir une petite défense améliorée, c'est pas si mal. Niveau croissance, ici, je gagne rien. Oh là là! Du coup, je suis à plus 15.
Parce que, ouais, finalement, fallait vraiment leur casser la gueule. Ouais. Premier tour. En vrai, si je devais refaire... On va voir. Parce que c'est vrai que si tu commences au départ, je vois des choses que je peux optimiser. Déjà, le nombre de tours en technologie. Là, concrètement, je vois ce que je peux optimiser pour avoir Marienburg. En fait, il faut que je sorte. Salut, toi. Ça, c'est une emmerde qui commence. Il faut tenir longtemps contre lui, en fait. C'est surtout ça. Hein. Pendant qu'on confédère les autres. Hein. Je sais plus ce que ça donne la Bretonie en... Ces 5 tours, croissance 20, ça me paraît pas mal. Hein. Warrior King. Non mais lol. Unachievable. You seek counsel? Fool. King Luan. Oui, là on est à moins 97. Hein. Ouais, je crois que je vois en fait comment m'améliorer. Je me demande si je vais pas... Grant me your gifts, my lady. Le refaire. Parce que je vois pas mal de trucs que je peux améliorer et... Ça, c'est pas mal, ça. Je sais pas si... Ça dépend de Wulfric. Si Wulfric ose attaquer couronne, c'est bon. Mais là, je vois en fait où m'améliorer, ouais, clairement. Alors la question est, si je le calme, est-ce qu'il me laisse tranquille ou... Armored in faith. The lady's chosen. Arrête de faire ton vénère là. 15 et 2. King of Bretonia. Le problème c'est Gotrek. Parce que le reste en vrai c'est bidon hein, mais... Champion of the lady. On va voir. Attendez. Luan Léoncoeur. Parce qu'en fait, si je fais ça, il est capable, lui, d'assiéger et l'autre d'attaquer. Mais après, je peux reculer. Cleanse our land. Not possible. Je tente un truc. Ah, ça, je m'en doute. Mais en vrai, une fois que t'as créé une armée... Il s'adapte un peu à ça, généralement ça va. Hein. Échec de l'embuscade. Ok, on prend la bataille. On est déjà à 1h24. Bah écoutez, on s'arrête là côté YouTube et on continuera l'épisode tout de suite après.